Je pense, encore une fois, je vous le dis, donc je pense, je ne sais pas si ça fera partie de votre enquête parlementaire, moi je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans, quand même. D'accord? Donc, si vous voulez, une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais ce n'est pas sûr parce qu'il me disait, qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine. D'accord? J'ai les mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. D'accord? Donc, le niveau de problème là est un niveau de problème sur lequel moi je vous suggère d'être attentif. Ce n'est pas compliqué de regarder, encore une fois, qui a des conflits d'intérêts. Vous regardez le listing, vous regardez le listing chez les infectiologues, vous regardez, on a même publié un article là-dessus pour dire, écoutez, il y a les deux tiers. Et on a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead. Et c'est parfaitement matché. Alors, je ne dis pas, la causalité et la corrélation sont deux choses différentes, hein. Donc, je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a une coïncidence au sens étymologique. Donc, c'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Gilead. Donc, je vous suggère très fortement de vous poser la question, de savoir le niveau, moi, je n'avais jamais vu, d'influence d'une seule compagnie sur le fonctionnement qui, à mon sens, inclut dans le monde des choses qui sont bien au-delà de celles du Mediator. Donc, ça existait déjà, vous le savez quand même. Donc, ça existait déjà. Là, pour cet enjeu-là, ça a pris une ampleur qui... voilà. Et des rapports s'étaient développés entre ce groupe Acting et Gilead pour la tentative d'utiliser Remdesivir qui a été un échec. Pour Ebola, ça n'a pas marché, mais ce groupe s'était formé déjà autour de ça. Et donc, il y a des liens multiples. Et pour aller jusqu'au bout des choses, moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en les revoyant. Je ne le ferais pas. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a des... pour vous dire la vérité, je ne sais même pas si ça n'est que des liens d'intérêt. Je ne vous dis pas que les gens ont été achetés pour ça, mais les gens créent un écosystème, encore une fois, qui est un écosystème favorable dans lequel la vision qu'on a du monde est différente. Et donc, je pense que ces relations de familiarité ou de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à permettre à changer le jugement des choses. Voilà. Je crois ça. Et je n'ai pas d'exemple contraire. Voilà. J'ai vu ça à mon époque. Moi, quand j'étais jeune, et je voyais ça, c'était les antibiotiques. Et donc, je me rappelle, j'ai décidé de ne plus faire ça du tout parce qu'il y avait une croisière qui avait été organisée par un médicament qui a disparu maintenant, ça s'appelle la péflacine, où il y avait 700 médecins qui avaient été invités. Et vous savez que les premières règles sur la déclaration obligatoire des liens d'intérêt a été faite après que Merck ait invité tous les médecins de France à aller en Chine pour des congrès factices. D'accord?